tripping with my two favorite lies. Fully loaded, we get snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the wall. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier, Galago Musique. J'espère que cette cover aux nounours du début vous a plu. Un grand merci à Sébastien Murata et Laurent Bernard qui ont prêté leur voix. En plus, ils ont fait ça en un temps record. Leur visage vous dit peut-être quelque chose si vous suivez la chaîne. On les voit assez régulièrement sur les défis Galago ou sur les lives de la page Facebook Galago Fan. Et si vous souhaitez savoir ce que ça donne quand je suis pas là, vous pouvez cliquer là-haut pour écouter la super cover qu'ils avaient fait sur le morceau Drive d'Incubus. Voilà, donc pour aujourd'hui, Road Trippin', un classique des Red Hot, paru en 1999 sur leur mythique album Californication. Donc un morceau qui sait se distinguer dans leur discographie étant donné que et il n'y a pas de batterie. Et comme la basse est très présente et qu'il y a beaucoup de cordes et tout ça, la partie de guitare n'était pas facile à entendre, mais je suis tombé grâce à YouTube sur une vidéo qui s'appelle Road Trippin' Without Strings, et là on entend bien ce qui se passe. Du coup j'ai pu vous repiquer tout ça au petit poil près, pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Bon bah c'est pas tout ça, il y a du boulot. Allez, on s'y met. Alors dans la dernière vidéo que j'ai postée, on m'a dit « Ah bah c'est dommage, on voit pas ta tête là quand t'expliques, on aime bien ta bouille. » Bon, évidemment ça m'a fait plaisir. La bonne chose c'est que je vais vous incruster les partitions en même temps que j'explique, et que du coup si je suis placé là-bas, et que je superpose, bah on me voit plus jouer, c'est un petit peu dommage quand même. Donc du coup je me rapproche, mais on voit quand même la partie, la basse de Visagal, histoire de garder un petit effet sympathique quand même. Alors quatre parties dans ce morceau, intro, couplet, refrain, pont. On va démarrer par l'intro, qui va ressembler très fort à ce qu'on va trouver sur le couplet. Vous allez vous placer en deuxième case du Ré avec l'index, troisième case du petit Mi avec l'annulaire, ok. À la main droite, on va placer le pouce sur le Ré, l'index sur le Si, et le majeur sur le petit Mi. Avec ça, vous êtes paré, pour bien démarrer en tous les cas. Alors, les deux premières mesures vont donner ça, 3, 4. Bon, alors ce qu'il faut, c'est juste bien compter pour que rythmiquement ça tombe en place. Alors, je gratte d'abord le Ré, le petit Mi, après Re-Ré, puis le Si, et re le Ré, ça c'est la mesure 1. Avec les temps, 1, 2, 3 et 4. C'est comme si vous disiez noir, noir, deux croches noires. Et je refais noir, noir, deux croches noires. Ok, vous savez faire la mesure numéro 1. Deuxième mesure, on repart du petit Mi, troisième case avec le majeur. Et je vous dis les cordes que j'attaque, je fais la corde de Mi, Ré, Si, Ré, Mi, Ré. Rythmiquement cette deuxième mesure, noir, croche, deux croches, noir, encore. Noir, deux croches, noir. Je vous fais les deux mesures d'affilée. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà, et là, déjà, vous faites tourner ce truc-là. C'est vraiment la séquence rythmique qui va se reproduire après. Alors, je vous refais deux, trois fois d'affilée ces deux premières mesures et on voit la fin de l'intro. 3, 4. Ensuite, on va se déplacer. Donc dans cette nouvelle mesure, on va placer l'index en troisième case du La et le petit doigt en cinquième case du Si. D'accord ? Et dans la mesure 4, ces deux doigts se retrouveront en 2 et 4 des deux mêmes cordes. C'est juste à côté. À la main droite, on n'est plus sur les cordes de Ré, Si et petit Mi. On déplace tout une corde vers le plafond, c'est-à-dire on se met sur les cordes de La, Sol et Si. Et ça va donner rythmiquement pareil que les mesures 1 et 2, à savoir mesure 3 d'abord, noir, noir, deux croches noires, d'accord ? Noir, noir, deux croches noires. Ensuite, on descend tout mesure 4, une case à gauche, et on fait noir, deux croches noires. Fin de l'intro. On refait ces mesures 3 et 4. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Règlement des rythmes. Noir, noir, deux croches noires. Noir, deux croches noires. Parfait. Je vous refais les quatre premières mesures. 3, 4.
3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, et on commence, 1, 2, 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 2, 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, etc., etc. Donc normalement, ces 4 mesures de l'intro, vous les faites 2 fois. Ensuite, on attaque le couplet. Alors le couplet, c'est à 80% pareil, plus ou moins 80% à une vache près, que ce qu'on a joué sur l'intro. Donc on se replace pareil. Alors je vous le joue en continu, et puis j'affiche en dessous la partition, ce sera beaucoup plus simple. 3, 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, et... Voilà, ça a changé ici sur la quatrième mesure. Ça fait noir, 2 croches, croche, 2 croches. Soit les cordes de si, la, sol, si, la, si. Je vous refais ces mesures 3 et 4 du couplet et j'enchaîne directement sur la suite. Donc on était en 3, 5, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Et on démarre. Mesure 5. Voilà, donc ça c'est vraiment l'extension pas fastoche évidemment du passage. 1, 2, 3 et 4. 1, ensuite je gratte mon ré. Et petit doigt, cinquième case du petit mi. Ça c'est pas fastoche. 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Donc pour y arriver, il faut vraiment mettre le pouce au dos du manche, d'ouvrir un peu le poignet, pas le fermer comme ça, parce que l'extension est extrêmement compliquée. Hop, je place ça comme si je faisais un barré en quelque sorte, et je me lance. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Ensuite, c'est pareil. 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Et je continue mesure 13. Je me replace comme au début. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ça, on sait déjà faire. Et les quatre dernières mesures du couplet, on va retrouver l'extension. Voilà. Et vous savez faire tout le couplet. Yeah. Donc cette première fournée de couplets dure 20 mesures, et après vous les rejouez une deuxième fois en en enlevant 4. Il n'y en aura plus que 16. Yeah. Alors je vous refais avec la partoche en dessous les 20 premières mesures du couplet, je vous enchaîne après sur les 16 suivantes. C'est la même chose, hein. Et puis on attaquera le refrain. Alors un peu plus rapide. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 4 et... Tip. Normalement, dans la première fois du couplet, on faisait encore 4 mesures derrière, les mesures 17, 18, 19. D'ailleurs, je me suis gouré tout à l'heure, j'ai dit 16, mais c'était 17. Et on va rencontrer donc le refrain. Une toute petite séquence. D'ailleurs, si on peut considérer ça vraiment comme un refrain, mais bon, il faut bien lui trouver un nom à ce passage, qui donne ça. Ouais, c'est assez marrant. Alors, vous allez placer sur un La mineur, d'accord ?
Et à la main droite, on va faire une espèce de Travis picking. Donc pour ce faire, vous allez mettre le pouce de main droite sur la corde de La, l'index sur la corde de Sol, le majeur corde de Si, et l'annulaire attaquera le petit Mi. D'accord ? Et vous allez faire cette passe-là de main droite. Donc je chope le La, le Si d'un coup avec pouce et majeur, ensuite je regratte le La, ensuite corde de Sol avec l'index, re le pouce corde de La, petit Mi, et re La. Alors avec le petit Shebanzu, noir, deux croches, noir, noir, deux croches, noir, ok. Ça c'est la mesure 1. La mesure 2, on va se placer sur un Sol basse Si, donc deuxième case du La, troisième case du Si. Et là on va faire quasiment la même chose, sauf qu'à la main droite on ne grattera pas le petit Mi, on va faire ça. Noir, deux croches, noir, voilà. Les mesures 1 et 2 de ce passage, noir, deux croches, deux croches, noir, noir, deux croches, noir. Dès que vous avez fait ça, on va se placer sur un Do majeur, qui a cette tronche-là, ou ça, pour ceux qui sont fans, moi non. Donc tac. Et là, je vais reproduire le même schéma que ce que j'ai fait sur la mesure précédente, sur le Sol bas Si, à savoir le La et le Si, le La, le Sol, le La, le Si et le La, avec le même rythme, noir, deux croches, noir. Trois mesures sur quatre, noir, deux croches, noir, noir, deux croches, noir, noir, deux croches, noir. Ensuite, je vais faire comme un Ré majeur, et Ré majeur c'est ça, mais je vais le déplacer en septième case. Donc ça va faire 7-8-7, c'est un accord en fait de Sol majeur, une triade. Et là, on va disposer le pouce ce coup-ci, corde de Ré, d'accord? Et l'index et l'annulaire joueront sur les cordes de Si et petit Mi. Et on va faire ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça, j'ai bien tendu l'oreille pour leur piquage. Eh ouais. Voilà. Je vous fais les 4 mesures de ce refrain. De ce soi-disant refrain, hein. 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Attention, le saut. Il reste à voir le pont. Alors le pont, c'est le passage que vous n'avez pas entendu dans la démo au début, qui donne ça. Etc. Alors ce qu'il faut, c'est déjà avoir les accords de main gauche. On va trouver un Mi mineur. En barré, 7e case, et vous reproduisez petite position de La mineur. Comme ça, donc 7, 9, 9, 8 et 7 du petit Mi. Ensuite un La majeur, je barre tout en 5. Et je reproduis une position de Mi majeur, pour que ça sonne comme ça. Ensuite, un accord de Do majeur, le même que tout à l'heure, tac. Et après, l'accord de Ré majeur, vous décalez ça 2 cases à droite. Voilà. Et par-dessus ces accords, la main droite va faire un picking qui va donner ça. Je me place sur le Mi mineur. Donc ça, c'est les 4 premières mesures de ce pont. On va choper le La et le Si avec pouce majeur. Ensuite, index, corde de Sol, pouce, corde de Ré, index corde de Sol, pouce corde de La, majeur corde de Si, et repousse corde de Ré. Voilà. Et vraiment avec ce doigté là. Rythmiquement, ça fait 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Donc dès que vous avez fait ça, c'était la mesure 1. On va se placer sur le La majeur. Et là, c'est un autre schéma de main droite. À la main droite, vous allez vous placer pouce sur le gros Mi, majeur corde de Sol et index corde de Ré. Et le pouce va gratter le Mi et le Ré. Pour faire ça, noir, deux croches, noir. Noir, deux croches, noir. Voilà. C'est vraiment le Travis picking à la cool avec le pouce comme ça qui saute d'une corde à l'autre. Donc mesure 1 et 2, Mi mineur. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4. Ensuite, on va reproduire le même schéma que ce qu'on vient de faire en La
mais sur la corde Do, en décalant nos trois doigts également de main droite, une corde, vers le plancher, pour faire 1, 2 et 3 et 4. Okay. 1, 2 et 3 et 4. Et on finit par le Ré majeur, deux cases plus loin, on refait la même chose. 1, 2 et 3 et 4. Bravo. Je vous refais ces 4 premières mesures et vous savez faire 90% du morceau. Alors, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Dès que vous avez fait ça, on reproduit quasiment pareil la même chose. On repart sur le Mi mineur comme tout à l'heure. 1 et 2 et 3 et 4. Ensuite le La. 2 et 3 et 4. Ensuite le Do. Tout va bien. 2 et 3 et 4. Et là, il fait un accord de La diminué qui est trop stylé. Vous allez vous placer comme ça. 4 du Sol avec l'index, 4 du Si avec le majeur, 5 du Sol annulaire et 5 du petit Mi cinquième case. Un accord diminué, monsieur dame. Et là, du coup, eh ben, on va tout redécaler, c'est-à-dire le pouce de main droite va gratter l'accord de Ré, le majeur va gratter le petit Mi, l'index le Si. Et donc le pouce se chargera du Ré et du Sol. Et on va faire 1 et 2 et 3 et 4. Je chope pouce et majeur. Ensuite, corde de Si, pouce sur le Sol, petit Mi avec le majeur, corde de Ré, corde de Si avec l'index, et pouce, corde de Sol pour terminer. 1 et 2 et 3 et 4. Je vous refais donc ces mesures 5 à 8 et on s'approche du finish. 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Cool. Après, on repart sur Mi mineur. Le La. Le Do, comme tout à l'heure. Et le Ré, tranquille. Après, c'est rapareil Mi mineur, le La, le Do, et là, c'est la fin, extrêmement stylé. Je vous en fais la démo. 2, 3, 4. Et on revient tranquillement sur la section de couplet. Alors, vous allez vous replacer à nouveau sur le Fa dièse diminué. Je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, La diminué. Non, c'est Fa dièse diminué. L'accord diminué prend le nom de sa fondamentale. Et là, on va jouer pouce index. C'est-à-dire qu'on va faire, on va venir brosser les cordes aiguës avec l'index, comme ça uniquement. Et vous allez faire, comme indiqué là-dessous, 3, 4. D'accord ? Donc, noir, deux croches, noir. Dès que vous avez fait ça, bon, normalement, ça s'arrête pas. On va faire deux croches noires, noires. Et il manquera un temps dans cette mesure. Il nous permettra de grimper jusque dans la super aiguë. Alors, encore ces deux mesures-là, et on voit le finish. 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Et là, je vais... slider. Jusqu'à 13. Enfin, index en 13. Et là, je vais choper ça comme ça. Mon pouce grattera le Ré. Et l'index va revenir sur les trois cordes aiguës. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, vous descendrez trois cases à gauche. 1, 2, 3. Et vous allez faire pouce, doigt. Enfin, vous voyez l'index qui brosse. Ok ? Dès que ça c'est fait, on redéplacera 1, 2, 3 cases à gauche. On se retrouve en 7. Après encore trois cases à gauche. 1, 2, 3. Quatrième case du Sol. Et encore 3 cases à gauche. 1, 2, 3, on termine en 1. Voilà. C'est un peu le super pouvoir de l'accord diminué, qui peut se substituer à lui-même. Toutes les 3 cases, à gauche ou à droite. Voilà. Si vous faites genre ça, c'est pareil, vous retrouvez la même note, mais dans un autre ordre, plus loin. Mais il faut vraiment qu'il y ait 3 cases d'écart. Donc ça, vous le travaillerez comme ça. Vous partez de 13, 14, 13, 14, et puis grink. Et puis pourquoi pas... Ah, raté. Voilà. Donc je vous refais cette fin. 3, 4. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4.
Tadam. Je refais donc ces quatre dernières mesures de ce pont. 3, 4. 1, 2 et 3, 4. 1 et 2, 3, 4. Et ça redémarre. Et au vrai tempo, du coup, 2, 3, 4. Fait une dernière fois tout ce pont et vous savez tout faire. Mi mineur, je m'arrête pour 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, Do, Ré, on retrouve Mi mineur, La, Do, diminué, Mi mineur, La, Ben voilà, il n'y a plus qu'à. Et ben voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez votre petit pouce bleu, le petit partage auprès de vos amis. Et puis les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger un petit peu. Je remercie à nouveau Sébastien Muratet et Laurent Bernard, dit Bernard, pour leur participation vocale du début. Et moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. A bientôt. Ciao.